Joke de tout à l'heure, ça m'a beaucoup fait rire, Rémi. Moi, je m'en bats les couilles, hein, clairement, de la classe, donc argumentez bien. Donc, je m'en fous, hein. Tous ceux de façon qui parlent là, ils iront en prison. J'en ai rien à foutre. Donc, allez-y, Pas parlez, cool, ne Michael, vous arrêtez le pas. crash. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de l'élève Antochil, ici présent, qui a été convoqué parce qu'il a frappé plusieurs élèves et les a envoyés à l'hôpital et a aussi gêné une classe de théâtre pendant qu'une série d'improvisations se faisait en disant victime bolos à un certain Rémi Collins. Alors, il paraît que l'élève est très bruyant et très. Il dit beaucoup d'insultes. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ça, monsieur Soir? Bah, en fait, j'étais en cours de perm D'accord. avec Anto aussi, et tout d'un coup, il s'est mis à se lever et à frapper un élève brusquement. Je l'ai mis dans un coin et il s'est relevé et il a continué à le frapper. Cela revient à ce que je disais il y a à peine 2 minutes. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Mais monsieur le professeur, Oh mon Dieu, il y a un loup dans le lycée! Monsieur le directeur et monsieur le CPE, il y a méprise. Il y a méprise sur mon cas. Je pense que c'est un complot parce que je vous explique la situation. Moi, ça Oui, fait. bah tiens, on peut nous dire. Ça fait un an que je suis ici et je me fais harceler, je me fais taper dans tous les coins où je vais. À l'internat, on me fait dormir par terre. Et j'ai rencontré un élève qui m'a dit qui s'appelait Mika. Soit tu te tais, soit le monsieur qui est à côté de toi, il te met en prison. C'est très simple. J'ai rencontré un élève qui s'appelait Mika, il m'a dit, mais il faut plus que tu te laisses faire, il faut que tu te défendes. Et du coup, bah, quand j'étais en salle de permanence avec le CPE, monsieur Jean Swart, et bah, il y a un élève qui a été la goutte de trop, qui m'a balancé une boule puante sur la figure, et je suis rentré dans une colère furieuse. Je sais pas quoi faire, les gars, j'improvise. Bon, dans ce Attention, il y a une cas-là. meute de loups dans le lycée. Dans ce cas-là, comme je le dis assez souvent, il faut en parler. Les points, ça ne règle rien. Hein. Ceux qui vont dire ouais, t'es un faillot, t'es un rapporteur, tout ça, tu t'en fous. L'important, c'est toi. Je veux pas te dire d'être égoïste. Non. Il faut que tu saches que les points ne résout rien. Taisez-vous, ok? Taisez-vous. De toute façon, tu vas finir comme eux, tu vas être mal. Ce qu'il faut, c'est que tu en parles aux pions qui surveillent à l'internat. Et il faut que tu te mettes ailleurs que ceux qui t'harcèlent pendant les heures de Le récré. psychologue aussi. Oui, un petit peu. Tais-toi. Mais monsieur, est-ce Et donc que... tu te rends compte que je vais devoir te punir? Oui, mais monsieur, s'il vous plaît, j'ai encore quelque chose à dire. Vous me demandez de parler aux pions et tout ça, mais le problème c'est que même les pions m'harcèlent. Je suis harcelé même par les pions qui me traitent de gros à longueur de temps. Un certain pion qui s'appelait Jean Mimoud, je crois. Nous sommes Dis-le amusés. au directeur ou à moi. Bonjour. Oui, mais après, c'est la parole d'un élève contre la parole de Directeur, quelqu'un qui représente l'autorité. Vous imaginez un petit peu la situation? Tiens que je suis tout seul et que je suis que j'ai tout le monde sur le dos. Si en plus je dois aller me plaindre de quelqu'un qui fait partie de la hiérarchie, vous comprenez que ça va être ma parole contre la sienne. je comprends y a bien. des loups dans le Mais à ce lycée, moment-là, il attention, on faut. va te manger, vite, ouvre les portes. Vous pouvez le virer là, Nicolas, s'il vous plaît. On peut pas se Ce concentrer. qu'on essaie de faire, monsieur Rémy. Dans ce cas-là, nous allons nous occuper de ça, hein. Déjà, ce comportement, c'est inacceptable. Nous allons nous occuper de ce pion. Parce qu'un comportement comme ça ne se fait pas. L'équipe pédagogique est là pour aider les élèves et non pas pour les harceler et leur pourrir la vie alors qu'ils sont à l'internat. Déjà que c'est dur d'être séparé de sa famille une semaine. Bon, à part si on la déteste, mais ça n'a rien à voir. Il a fond dans son rôle, Et Rémi. puis, tu te rends compte que je vais quand même devoir te punir. Je suis obligé. Je sais Et bien, quand même de là envoyer les élèves à l'hôpital, on va dire je sais bien que le que. coup du victime bolos, on s'en fout un peu. Je veux dire, bon, ça va, ça c'est pas trop gênant. T'as eu que 1 heure de colle, je crois. Oui, tout à fait. Mais le coup d'envoyer les élèves à l'hôpital, là, je suis obligé de mettre une sanction.
Monsieur, j'accepte. Être dans la cour et aussi le faire, c'est pas assez. C'est gênant pour les élèves, pour certains. Ils peuvent être traumatisés ou autre. Et puis, il faut que t'en parles, alors à ce moment-là, demande à tes parents de t'inscrire chez un psychologue. Mais. Ceci est un. Ok, bon bah écoutez, messieurs, c'était parfait. Merci, monsieur le prof. Merci beaucoup. Je tenais à dire que la sanction, c'était 3 semaines d'exclu. 3 semaines ? Moi, je te dis. Les mecs, quand, les mecs quand qui continuent à rester, si vous voulez rester les mecs pour cours comme ça les mecs, s'il n'y a pas de soucis, vous pouvez vous asseoir et tout, je continue le cours moi perso. Ouais, bien sûr, c'est ça. Ah c'est trop bien gars, on continue, c'est trop ouf. Ah bah écoutez, moi je suis open, il hein, n'y a pas de soucis. Hein. Je fais ça depuis 4 cours là avec les mecs là, Rémi, Jean-Soir, des Ranto et putain que...